Où est Morlaix ? Morlaix, en France. Une ville magnifique. Elle vient d'accueillir son tout premier festival pirate, vous y croyez ? Tellement de gens, déguisés en pirates, ont arpenté les rues. Il y avait des pirates partout. C'était trop cool. J'adore les pirates, pas vous ? Ils ont les tenues les plus cool. Et ils naviguent sur les sept mers. Ce sont, genre, les aventuriers ultimes. Ce festival était la meilleure façon de les célébrer. Le temps était parfait. Ensoleillé, mais pas trop chaud. Parfait pour une aventure de pirate. Tout le monde était surexcité. Ça se sentait dans l'air. Comme si quelque chose d'incroyable allait se produire. Et c'est arrivé. Oh là là, les costumes! C'était comme si nous étions transportés dans un autre temps. Une époque où les pirates régnaient sur les mers. Les gens n'ont pas fait les choses à moitié. Chaque détail était soigné, chaque costume racontait une histoire. Il y avait des chemises déchirées et des cache-œil partout. On aurait dit que tout le monde sortait tout droit d'un film de pirates. Certaines personnes avaient même des perroquets sur l'épaule. Imaginez le travail et la passion derrière chaque costume. J'aimerais bien avoir un perroquet. Ils ajoutent une touche d'authenticité incroyable. Peut-être un petit singe aussi. Les animaux rendirent les costumes encore plus vivants et amusants. Beaucoup de gens portaient ces grands chapeaux souples. Ils étaient vraiment impressionnants et ajoutaient une touche de grandeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont tellement cool. Et les femmes, elles étaient tout simplement magnifiques. Elles avaient ces magnifiques robes. Chaque robe semblait être faite sur mesure, avec des détails incroyables, avec des corsets et de longues jupes, tellement élégantes. On aurait dit des reines des mers. J'ai vu un type, il avait même fabriqué son propre bateau. C'était un travail d'artiste. Il était petit, mais il ressemblait à un vrai bateau pirate. Chaque détail était parfait. Il avait même des canons qui tirèrent des confettis. J'en veux un. Imaginez la fête avec ça. Je me demande s'il propose des tours. Ce serait tellement amusant de naviguer sur un bateau pirate, même pour un court moment. Bon, alors la parade. Elle a commencé place à l'End. C'est une grande place à Morlaix. Ensuite, elle a descendu toute la rue de Paris. C'est genre la rue principale. Il y avait des musiciens et des danseurs et des gens qui lancèrent des bonbons. J'adore les bonbons. Surtout ces petits chocolats avec les papiers dorés. Ce sont mes préférés. Les pirates dans la parade étaient tellement drôles. Ils faisaient des grimaces aux enfants et faisaient semblant de se battre à l'épée. C'était hilarant. Je n'arrivais pas à arrêter de rire. Ok, alors la musique était géniale. C'était comme si on était transporté dans un autre monde, un monde de pirates et d'aventures. Il y avait un type, il était habillé comme un musicien pirate. Il portait un chapeau tricorne et une chemise à volant, avec une grosse barbe fournie et tout le tralala. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un vieux film de pirate. Il jouait de l'accordéon et chantait des chansons de pirate. C'était tellement amusant. Et la danse. Les chansons étaient entraînantes et tout le monde chantait en chœur. Les gens dansaient dans les rues. C'était une véritable fête, avec des sourires partout. Ils faisaient ce genre de gigue, une danse traditionnelle qui semblait remonter à des siècles. Vous savez où ils tapent du pied et frappent dans leurs mains ? C'était contagieux, on ne pouvait pas s'empêcher de taper du pied aussi. Ça avait l'air tellement amusant. Tout le monde semblait si heureux et insouciant. Je voulais les rejoindre, mais je ne connaissais pas les pas. Peut-être la prochaine fois, j'ai vraiment envie d'apprendre cette danse. Il y avait ce groupe, ils jouaient des tambours, de gros tambours retentissants. Le son résonnait dans tout le festival. Ça m'a fait battre le cœur plus vite. C'était génial, j'adore la musique. La puissance des tambours était incroyable. Ça me donne envie de danser. La musique, les tambours, les danses, tout était parfait. Une expérience inoubliable. Cinquième section, la vie de pirate, c'est pour moi. Imaginez-vous plonger dans un monde où les pirates règnent en maître, où chaque coin de rue est une nouvelle aventure. Le meilleur dans tout ça ?
Les pirates étaient tellement sympathiques. Ils accueillaient tout le monde avec un grand sourire et une attitude joviale. Ils posaient pour des photos avec tous ceux qui le demandaient. Peu importe votre âge, ils étaient toujours prêts à faire un souvenir inoubliable. J'ai eu une photo avec un pirate qui avait un perroquet sur l'épaule. C'était trop cool. Le perroquet était si coloré et bien dressé, il ajoutait une touche d'authenticité. Les pirates racontaient aussi des histoires sur leurs aventures. Chaque histoire était plus captivante que la précédente, remplie de mystères et de trésors cachés. J'ai rencontré une pirate. Elle m'a dit qu'elle avait navigué jusqu'à l'île au trésor. Incroyable, non ? Elle décrivait les paysages exotiques et les dangers qu'elle avait affrontés. Je me demande si ça existe vraiment. L'idée d'une île remplie de trésors fait rêver tout le monde, surtout les enfants. J'adorerais partir à la chasse au trésor. Imaginez trouver un coffre rempli de pièces d'or et de bijoux précieux. Il y avait aussi des jeux pour les enfants. Des activités interactives qui les plongeaient dans l'univers des pirates. Comme marcher sur une planche et lancer une fléchette sur une carte. Ces jeux étaient conçus pour tester leur courage et leur précision. Ça avait l'air tellement amusant. Les rires et les sourires des enfants étaient contagieux. J'aimerais être encore un enfant. Pouvoir revivre ces moments magiques et insouciants où chaque jour est une nouvelle aventure. Oh, et il y avait cette exposition géniale sur les pirates. Elle se tenait à la maison Penano. C'est genre une très vieille maison à Morlaix. C'était à la fois effrayant et cool. L'exposition présentait toutes ces vieilles cartes et autres objets. Et des épées et des pistolets. C'était comme remonter le temps. J'ai appris tellement de choses sur les pirates. Saviez-vous que Barbe Noire était un vrai pirate ? Il a l'air effrayant. J'adore l'histoire. C'est tellement intéressant, surtout quand il s'agit de pirates. Ils étaient genre les rockstars de leur époque. Ok, alors il y avait tous ces petits stands installés le long des rues. Ils vendèrent des trucs de pirates, genre des chapeaux, des cache-œil et des épées. Et des bijoux. J'ai acheté un collier avec une tête de mort. Il est trop cool. Il y avait aussi de la nourriture. Plein de bonnes choses à manger, comme des saucisses, des crêpes et des gaufres. Et ils avaient cette boisson spéciale pour pirates. Elle était bleue et il y avait du rhum dedans. Je ne l'ai pas goûtée, mais elle avait l'air bonne. J'adore faire du shopping, surtout quand il s'agit de trucs de pirates. C'est tellement amusant de trouver des trésors uniques. Huitième section, tout le monde sur le pont. Vous savez quoi ? Tout ce festival n'aurait pas pu avoir lieu sans beaucoup de travail acharné. De nombreux groupes différents de Morlaix se sont réunis pour le réaliser. C'était génial. Ils ont installé les décorations, organisé la parade et tout le reste. C'était beaucoup de travail, mais ils ont fait un travail incroyable. C'est tellement cool quand les gens se rassemblent comme ça. J'adore voir les communautés se rassembler. Ça montre que les gens se soucient de leur ville et ça rend tout plus amusant. Neuvième section. Une communauté unie. Vous savez ce que j'ai préféré dans ce festival ? Le fait qu'il ait rassemblé tout le monde. Jeunes et vieux, habitants et touristes, tout le monde s'amusait comme des fous. C'était comme si toute la ville était une grande famille heureuse. Les gens souriaient, riaient et dansaient dans les rues. Il était impossible de ne pas se laisser prendre par l'excitation. C'était comme si tous vos soucis s'évanouissaient. Et vous étiez juste présent dans l'instant à profiter de la fête. J'adore voir les gens heureux, c'est contagieux. Et ce festival a certainement propagé beaucoup de joie. Onzième section. Adieu Morlaix. Alors, si vous êtes à la recherche d'un festival amusant et unique, ne manquez pas le festival pirate de Morlaix. Vous ne le